se retrouve pour la suite de cette soirée de Div 2 avec le match entre Easy Dream et Zerance. Easy Dream 4-0 qui veulent asseoir un petit peu leur domination sur la ligue, et je suis rejoint par Bigot qui était déjà présent là pendant l'interview et qui va pouvoir faire sa première soirée de Cassidy. Comment ça va Bigot? Top top top, et toi? Bon, ça va super bien. Ici, il y a une game qu'on a vu un peu en backstage qui partait un petit peu dans tous les sens. Là, on va avoir des équipes qui sont peut-être pour le moment un petit peu plus haut dans le tiers de cette Div 2. Donc on va voir est-ce qu'on sera à nouveau sur des compositions un peu explosives ou si on sera sur du un peu plus classique. En tout cas, on est parti sur une phase de draft avec des bans, somme toute, qu'on retrouve régulièrement. Ouais, des personnages très dominants dans la méta, un Rell, Nocturne. Du côté des errances, on va choisir de retirer la Senna également, tandis que de l'autre côté, c'est évident, la Khalid Kourounil, on ne veut pas l'avoir. On retirera Nico également. On sait que Kourounil, c'est un joueur qui est créatif, qui va souvent réussir à trouver des flanks. Donc on va également retirer Nico. Il va rester un ban au Easy Dream. Et surtout, la chose à noter actuellement, c'est que Kassanté n'est toujours pas ban. Misancy, elle a pour le moment joué 4 games, 4 fois Kassanté. Est-ce qu'on va en avoir un cinquième? C'est un petit peu la grande question. Voilà, Kassanté qui avait été ignoré dans la game précédente, ça sera peut-être une nouvelle priorité. En tout cas, Kassanté contre Kalista, c'est pas mal. Kalista qui peut avoir du mal contre les tanks. Elle a été récupérée immédiatement du côté de Zerance. On est en train de montrer le Varus, hein, une réponse assez classique. On est sur les deux ADC top pick. On a joué pas mal de Lucian du côté d'Easy Dream. Lucian Milio à 3 reprises, mais là on préfère partir sur l'option un petit peu plus laning, un petit peu plus simple à mettre en place. Varus Renata, Renata qui est également un deny à Kalista et qui performe bien contre les pick engage que ce champion affectionne particulièrement. Exactement, exactement. Et réponse par Blitzcrank. Blitzcrank qu'on vend beaucoup, beaucoup face à Milio, notamment. Face à Renata, c'est un petit peu la même idée. C'est un enchanteur, ça joue de loin, ça veut pile son AD. Et pour le coup, c'est extrêmement squishy. Donc si t'arrives à trouver un grab avec Blitzcrank, ça fait des différences. Et Crimson qui va prendre ses responsabilités. Étant donné qu'on va pick un Lee Sin, on en a peu ou pas vu pour le moment dans cette division 2 et 5e game consécutive de Kassanté pour mise en ciel. Ouais, on a conscience que c'est open et il faut en abuse, hein. C'est pas à exclure qu'il y a un flex avec la mid lane, mais je vois pas trop Camilou sur le champion, hein. Je pense qu'il sera bien pour le top. Kassanté qui a un plutôt bon perso contre Blitzcrank, puisqu'avec son Z, tu peux absorber les contrôles et donc bloquer le hook. C'est une plutôt bonne barrière pour l'équipe en face. On part sur une seconde phase de ban. La Fiora de Twelve qui a été retirée, donc je sais pas si tu connais Twelve, mais c'est un OTP Fiora, okay, de base, hein, qui a été très très haut en solo queue avec ce champion, un petit peu à l'image de Gaëtan. Gaëtan qui était chez TPA, puis ils ont récupéré Twelve, donc des profils un peu similaire, mais qui s'est bien évidemment diversifié depuis le temps. Ça suit avec un ban Gwen. Gwen qui est historiquement le champion le plus joué en compétitif de la part de Gaëtan également. On en parlait en pré-show cette semaine ou la semaine dernière, j'ai un petit trou. Quoi qu'il en est, on suivra avec un ban bien évidemment Sylas qui a 100% de win rate dans les mains de Camilou. Et on n'a pas les meilleurs des ultis à les récupérer pour le moment chez les errances, mais tout de même, on va retirer ce Sylas. Pique de Vaille ici pour Chronique en réouverture Red Side. Ah, une Vaille qui est très très bien contre Kalista. Kalista, champion mobile, sauf que tu te fais lock par un point and click, donc tu ne peux pas t'exprimer. Donc, choix intéressant. Côté Z-Dream, ça va également permettre pas mal de champions. Du côté de Camilou, tu peux être sur du mage tout à fait classique. Tu peux également avoir des champions un peu plus assassins, bien que Sylas, Akali ont été retirés. En tout cas, Azir a été lock sur la mid lane pour Kouronil. C'est son 5ème pick joué en 5 games. Pour le midliner de Zerance ici, un champion qu'on sait très fort, très stable. Tu as bien évidemment la possibilité de recevoir, mais également de trouver des play clutch avec la virgule et le Shurima Shuffle. On est en train de nous montrer différents picks et le Malphite une nouvelle fois qui est récupéré. On l'avait eu dans les mains de Boubiou, qui est la game précédente, qui avait remporté la partie. Cette fois-ci, c'est dans un Kassanté, un match-up qui se joue, c'est deux tanks. Est-ce qu'on va avoir un match-up un peu plus herbivore que dans la game précédente? Et ce à quoi on va devoir répondre. On terminera la draft avec un pic de Corki pour Camilou. Donc un nouveau champion différent. On en avait eu 3 pour Camilou, 2 fois Akali, une fois Syndra, et on avait terminé par Sylas. Cette fois-ci, ce sera le Corki, personnage qui surdomine la méta. Hein. Corki contre Azir, on commence à comprendre, hein, dans tous les championnats possibles et imaginables. On voit ce handshake également. Tu parlais de serrage de main au top avec ces deux tanks à l'image d'un Kassanté, un Malphite. On aura un autre serrage de main à la mid lane avec ce Azir contre Corki. Ouais, un match-up qui est en la faveur de Corki en général, on le considère comme ça. En tout cas, si tu regardes les stats en LCK, Corki a quand même davantage de réussite contre Azir, et ça s'explique simplement par le fait que Azir est relativement faible face au poke historiquement, parce que tu as un perso qui... Bah, il a de la range, mais mine de rien, c'est pas un Xerath. Et donc, le fait de...
d'avoir un Corki qui va poke, surtout dans la méta actuelle où tu le joues un peu AP avec malignance, etc. Ça peut être assez gênant. En tout cas, deux compositions que je trouve assez équivalentes dans le sens où on a un personnage tank au top, un handshake scaling mid, deux junglers proactifs et des botlanes qui peuvent se battre également. Pression bot. Pression bot va être de mise, surtout dans ce Kalista Blitzcrank, t'as pas envie de le laisser tomber derrière. On va voir est-ce que Varus et Renata vont pouvoir leur répondre, à quel point le Lee Sin va venir essayer d'accompagner cette Kalista et de mettre du rythme. De toute façon, Matrid va être laissé un peu sur un îlot au top, je pense, face à ce cas santé. Et les projecteurs vont être sur cette bot lane. Vi contre Lee Sin, c'est deux junglers qui sont plutôt proactifs, qui vont vouloir mettre du rythme, qui ont tous les deux un spike niveau 6 qui est relativement puissant. Donc ça va être intéressant de suivre leur passing et leur timing level, c'est surtout. A noter quand même qu'on a un avantage historique hein, pour Vi contre Lee Sin, pour la simple et bonne raison que le Q-spell de Vi cancel celui de Lee Sin. Donc on a une interaction qui est quand même favorable hein, pour la Vi et qui pourrait faire la différence du côté de Chronique. Mais un match-up qui sera intéressant à suivre, comme tu as dit. Daisy Dream qui sont actuellement tous en bootcamp à nouveau hein, qui le sont depuis le début de la saison pendant encore une petite semaine je crois, j'ai pas les dates exactes, j'en avais parlé avec Aurelius que je connais très bien et qui ont l'air d'être plutôt bien pour l'histoire. Cette salle là qu'on voit en blanc bien clean, quand j'étais chez Daisy Dream il y a 2 ans, elle était toute noire, c'était vraiment la dark room et c'était un petit peu plus sombre, un petit peu plus triste à suivre. En tout cas, nous sommes partis dans la game Bigo. On voit qu'on a tout de suite un petit niveau 1 qui a été préparé du côté des Idrim. On se dirige à 5 et on va peut-être tenter un catch. On s'attend éventuellement à une invite du Blitzcrank de Xersus. Attention Vespa qui est dans ce bush, qui doit ne pas se faire surprendre. Normalement, ça devrait aller. Xersus qui se tient à carreau. Xersus que j'ai beaucoup vu moi sur ce type de personnage. Alistar, Blitzcrank. Des gros grabbeurs. Première game, il avait joué à Mumu également, qui est un petit peu dans ce délire-là de all-in, de tu attrapes quelqu'un une fois et c'en est fini de cette personne. Blitzcrank, c'est le perso pour lequel moi je connaissais Xersus, donc ça va être intéressant de le voir ici avec Kalista. Ouais, c'est un pic qui moi, quand j'étais en Div 2, m'a fait suer. Quand il était chez Beat Genius, il nous avait mis beaucoup en difficulté sur une game et c'était... C'était un bon Blitzcrank qui avait proposé, curieux de voir s'il va réussir à trouver des grabs assez clutch. En tout cas, on a bel et bien une opportunité niveau 1 qui veut être saisie du côté des errants. Ça avait été wardé, ça avait été lu du côté des Easy Dream, mais on avait bien évidemment un Red Trinket du côté de Xersus qui va permettre de s'avancer, de récupérer ce blue buff et directement de peut-être partir sur un split the map, ce qui pourrait être très favorable à la Kalista et au Blitzcrank. Ouais, en tout cas, on tente cette late invade et elle passe. Vi qui va peut-être devoir counter invade, essayer d'aller dans ce top side de Lee Sin. En tout cas Lee Sin qui est en train de clean très très vite. On a d'ores et déjà pris ce blue buff, on est au loup. Est-ce qu'on va continuer par le gromp ou est-ce qu'on redescend dans son bot side, c'est la question. Vespa qui a pu prendre les wards, donc en termes d'XP il n'a pas trop de retard normalement et forcément on a la pression avec Blitzcrank, Kalista, niveau 1, Varus, Asvarus, Renata, tu peux pas faire grand chose j'imagine. Qu'est-ce que tu penses de ce niveau entre ces deux botlane, Eros? Bah, en général, Blitzcrank c'est pas un très bon perso niveau 1, t'as vraiment besoin du E pour concrétiser, mais avec une Kalista c'est un peu différent parce que t'as un personnage qui peut très rapidement aller chercher le kill bien évidemment avec son extirpation, donc on est obligé de respecter. On a également l'information que Crimson a commencé sur le boss, dans leur bot side et donc ils peuvent être vulnérables à un dive. On a donc pas envie de trade les points de vie. On a vu une petite tentative de grab du côté Xersus qui justement a envie d'aller chunk un petit peu cette barre de HP. Ça n'a pas touché et on va se raviser du côté de Zerans. On est au courant que dive n'est pas jouable, on est full life pour l'équipe en face, on peut arriver du côté de Chronix, c'est d'ailleurs ce qu'il était en train de faire. On va simplement repartir dans sa boîte à jungle et profiter de cet avantage en farm. Ouais, il va devoir tenter d'invade à moitié. Il y a Corki qui a un petit peu de priorité, donc pourquoi pas. Est-ce qu'il n'aurait pas dû tout simplement aller dans le top side du Lee Sin? Et c'est ce qu'il va essayer de faire maintenant, mais il a perdu quand même pas mal de temps chronique sur cette vaille. C'est un petit peu à haut tempo dans ce tout début de partie. Finalement, il se retrouve dans le top side du Lee Sin et ça va, ça devrait être rattrapé normalement. Ça m'étonnerait qu'on puisse jouer tous les camps, à moins qu'on ne conteste pas du tout pour Crimson, qu'on aille peut-être jouer un dive maintenant que la vaille est sur le top side. C'est presque un petit peu dommage de ne pas avoir contesté un petit peu plus ces camps, mais je pense que le plan de jeu il est clair. On voit des petits pings on my way du côté de Zerance. On a envie d'aller abuser cette botlane et profiter de la présence de Chronique sur le top side. On n'a pas l'info sur celui-ci, ceci dit, mais on se doute qu'il n'est pas en train d'attendre depuis 1 minute 30 dans un buisson. Et là, on le voit, on est en train de mettre la pression
Est-ce qu'on peut vraiment stack la wave et aller dive? Ça semble pas non plus évident. Hein. C'est une Renata, elle a récupéré son Z, donc il y a une possibilité d'outplay un petit peu. On n'a pas de cleanse non plus du côté de la Kalista, et donc sur un petit CC, un petit Q de Highway, ça pourrait être compliqué de vraiment concrétiser le play. Moi, ce qui me fait marrer dans cette compo des Team Zero, c'est que c'est Bump Mania. Hein. Tous les persos disposent d'un bump, entre guillemets. Blitzcrank, Kalista avec son ultimate, Partition Impériale pour Coronil, Lucky qui a un bump également, et Malphite, j'en parle pas, ils ont tous des bumps. Le bump qui est un CC tout particulier qui est très très compliqué à éviter, c'est pas un stun, c'est pas un CC que tu peux cleanse. Il y a des CC que tu peux pas cleanse mais que tu peux QSS, le bump en fait pas vraiment partie. Tu peux cleanse tes flash, mais... Et c'est pas non plus réduit par les mercures, hein. Ça fait ouais. Que t'as pas vraiment de counterplay à part l'éviter, hein, bien évidemment. On le voit, Exercius qui essaye de mettre du rythme, qui tente des petits grabs par-ci par-là, mais on joue très bien avec ses sbires, hein, du côté de Piwak et Highway. Tandis que sur le top side, Mizanchel a la priorité de lane. On est à peu près à égalité en termes de farm. On va récupérer cette wave sous tour du côté de 12. On le voit qu'au mid, on se handshake également. Pour le moment, comme attendu, top, mid, ça farm. Au bot, on tente des choses, mais pour le moment, rien ne passe. On est donc sur un statu quo total dans cette game. Game relativement even, mais... Mizanchel au top qui continue de mettre du rythme, Malphite est sous sa tour et c'est sa cinquième game de Castanté, on en a parlé. Je sais pas pourquoi les équipes ne commencent pas. Le ban, excellent grab de la part de Xerxus et on devrait voir ici normalement un premier sang. Il y a un flash pour Camilou mais il tombera un HP. Mais ça ne suffira pas à Crimson qui va ward trick fermer la distance et terminer Camilou. Camilou qui ne dispose pas de sa TP, en plus de ça il vient de l'utiliser. C'est Couronil qui mange sur cette action. On a un nouveau move sur le top side, Eros. On a forcé le Ghost du côté de Mizanchel. On échange un petit peu les coups de poigne, mais sur cette mid lane, on a trouvé l'opportunité ici. On a fait check pour Camilou. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il se doutait. Il a mis une petite roquette, justement, mais il a été rattrapé par Xerxes avec un très bon grab. C'était avant qu'il fallait flash. Il pensait peut-être ne pas se faire toucher. Et là, c'est dommage d'aller chercher, d'utiliser son flash dans le sens où. Au pire, le Lee Sin va flash in et récupérer le kill. Sachant que je pense quand même qu'un Lee Sin peut jouer sans son flash. En tout cas, le First Blood a été récupéré par Easy Dream pour un Lee Sin qui a besoin de snowball, tu l'évoquais, qui n'a pas un match-up favorable face à Vi. Mais avec une avance au gold, ça pourrait peut-être se renverser. Ouais, Lee Sin qui est entre guillemets activé, qui va pouvoir mettre du rythme comme il en a besoin, comme il le souhaiterait. Crimson. Et Consort, Crimson et ses alliés vont devoir aller faire des différences. Easy Dream top of the league, hein. On en parlait, mais à égalité avec JL au sommet de ce classement. Donc ce serait un grand coup de poing sur la table de la part des Errants d'aller réussir à remporter cette game. Et on le voit, ce Lee Sin Eros qui se place de manière très agressive. Qui chasse, hein, il chasse, il est conscient qu'on n'a plus de flash sur la mid lane, on a un shurimash shuffle possible, hein, du côté de Couronil, et donc on a envie de menacer, de se rendre disponible. On chasse Chronic de sa propre jungle et on va aller récupérer le blue buff. On avait vu un petit peu cette invade au départ, qui n'a pas été concrétisée par la suite, hein, mais qui va être maintenue en termes de pression. Ici, on a le décalage également de Vespa Exercice. Malheureusement, le flagraph ne fonctionne pas. On a le re-engage de la part de Chronic. Chronic qui réussit à prendre sa revanche un petit peu là-dessus. Il y a le Z de la part de Renata. On ne pourra pas récupérer de kill participation. Cette vaille ne revivra pas. Vespa doit flash out sur cette occasion. Easy Dream de retour dans la game. C'est une belle engage qui a été trouvée par Chronic avec sa vaille ici. Très bon permet de rattraper un petit peu en termes de ressources. Bonne inspiration. Ouais, ça a été bien exécuté ici. Hein. C'est pas forcément évident de toucher les deux joueurs. Il a vraiment, c'est bien mis au milieu. On le voit, ça part d'une initiative ici de la part de Zerans. Le flash grave malheureusement évité par Camillus et Chronic qui trouve l'opportunité. Follow-up avec ultime. Un Chronic qui était niveau 6, là où pour Crimson, on n'avait pas encore récupéré son ultimate. Comme quoi l'invade du début de partie n'a pas été concrétisée, tandis qu'on repart sur un fight au bot, l'ultimate de la Kalista immédiatement. Vespa qui va pouvoir terminer avec cette extirpation, mais on ne tombe pas encore. Si on tombera du côté d'Highway, Vespa un HP, ça ne suffira pas face à la flèche de Piwak, Mizanchel qui va pouvoir kidnapper 12. 12 va-t-il tomber? C'est la question, mais Chronic continue de se défendre. Mizanchel devrait pouvoir rejoindre le fight. Il y aura un flash, mais ça ne suffira pas. Et Camilou peut une nouvelle fois aller récupérer un kill. Lui également, ça ne suffira pas. Mais attention, messieurs, dames, puisque Piwak, le joueur polonais, est désormais en 3-0.
Et il a en effet récupéré un double kill sur la botlane malgré la mort de Aiwei ici. On a pu se mettre très très bien pour la décarry d'Easy Dream. Une game qui était très lente dans les quelques, on va dire les 3, 4, 5 premières minutes, mais qui immédiatement a été dynamitée. Ça partait d'initiative de Zerance à chaque fois, mais au final, les Easy Dream réussissent à récupérer le meilleur, Bigo. Ouais, notamment avec le flash de Dirsus tout à l'heure, très agressif. Camille qui trouve la Valkyrie out, Vi qui réengage. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est Zerance encore une fois qui engage le fight au bot avec, avec cette Kalista. Et dans la rivière top, c'est également les Zerance, il me semble, qui vont démarrer ce move incroyable, flèche sur ce Blitzcrank. On ne l'avait pas vu ce kill, mais double kill effectivement pour Piwek et son Varus. Ah, il est extrêmement bien. BRK avant les 10 minutes de jeu, c'est un Varus qui va faire extrêmement mal. Un Varus on hit. Il se fait pas méga outrange. Il y a quand même Azir qui va pouvoir jouer de loin. Malphite également. Mais Lee Sin doit venir au contact. Kalista doit venir au contact. Si on prend pas de grab de Blitzcrank, c'est une belle game qui se profile pour Piwek. En effet, pas non plus évident d'auto-attaque contre un Malphite, comme tu le disais. On l'a vu dans la partie précédente, ce que ça donnait pour une Kaïsa, pour un Varus, pour une Leblanc. Là, pour un Varus, une nouvelle fois, ça ne sera pas facile. Ceci dit, on a une Renata, on va pouvoir essayer de temporiser. On aura le renflement pour revenir à la vie si on se fait engage par 12. Donc on part confiant du côté de Piwek ici, qui a déjà récupéré son premier objet, comme tu l'as dit, 3-0. Le flash mine de la part de Camilou directement. La partie sur Impérial va connecter et va repousser le midliner Daisy Dream. Couronil ne tombera pas, mais il est très low HP. Il va devoir base et perdre quelques sbires sur la midlane. On est déjà 10-15 CS derrière. Alors, il y avait de quoi se douter de l'emplacement de Couronil, mais tout de même, sur ce move, Camilou n'avait même pas la vision et pourtant il fonce, il y va. Mais pendant ce temps-là, on a Piwek qui est une nouvelle fois en train de récupérer un nouveau kill. Très bonne ulti de Renata, mais est-ce que ça va suffire? J'en doute. Vespa tombera également. Crimson devrait suivre sur ce move. Kick, mais kick pourquoi? Une nouvelle fois, triple kill de la part de Piwek. Ce Varus est plus qu'activé. Les Easy Dream arrachent cette game. Alors on était sur une game qui était très très close hein, au tout début, mais à chaque fois, on tente là, regarde, une nouvelle fois Zerance qui essaye un play proactif, mais Chronic arrive derrière, va sécuriser ici. On arrive à connecter l'ultimate de Piwek, Aiwei qui va follow up pour récupérer un kill sans même l'arrivée de leur jungler. Easy Dream ici, qui font la différence, qui font le break, on le voit comme tu as dit Crimson, il tente le kick, peut-être que s'il y avait l'aggro, il pourrait récupérer le kill, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et on est d'ores et déjà 3000 gold devant pour l'équipe Redside. Il y a un deuxième item qui arrive dans pas longtemps là pour Varus, il faut faire attention à ça. Varus en 6-0, il y a déjà 8 kills en faveur des Easy Dream et on a mis Essentiel qui est en piste kill au top. Du coup son équipe est en train de tout arracher. Lui il est, j'allais dire even, mais il est devant au CS face à ce Malphite. On peut sécuriser ce premier item, le rayonnement du vide. Donc Essentiel, on le sait de toute façon que quand il y aura les teamfights, il va pouvoir tirer son épingle du jeu. Et avant même que les fights n'arrivent, Camilou qui va déclencher un nouveau fight avec le package. Ah, il n'y a rien. Oh non, mais est-ce qu'on va se faire avoir par la roquette? On dodge du côté de Xersus, on dodge une nouvelle fois. J'ai eu un petit peu peur hein, quand Vespa a ramené son Blitzcrank alors qu'il était safe. Mais au final, il ne tombera pas. C'est un kill tout de même supplémentaire du côté des Idrim. Et en plus de ça, téléportation du côté de Camilou qui revient sur sa midlane, qui ne perd aucun CS, qui va maintenir son lead sur Couronil et qui va permettre à son équipe de sécuriser le premier Drake de la partie de leur côté. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on voit Camilou subir le First Blood. Une fois précédente, c'était même en Invade. Là c'était au cours d'une game, il vient de TP, il fait check, il se fait tuer, il a plus de TP, plus de flash, plus rien. Et malgré tout, il a encore envie dans cette game sur un personnage pas forcément autant proactif qu'une Akali ou ce genre de choses. Là il est sur un personnage qui est plutôt axé scaling avec un Corki. Et pourtant il va venir dash-in sur Azir, il vient mettre du rythme, il vient chercher des flash-in. Camilou, c'est quelque chose dans le début de cette division 2. Malgré qu'il soit entre guillemets derrière dans les conditions des games, il trouve toujours le moyen de créer du jeu et ça fait mouche et c'est un joueur qu'on aime regarder forcément. Ouais, et puis là, oh, attention par contre la téléportation dans le dos de la part de 12 mais également de Couronil qui arrive, qui veulent punir, qui veulent récupérer le shutdown sur Piwek. Piwek est en train de ressortir mais on turn immédiatement du côté des Dream Chronic qui a réussi à trouver un lock sur Couronil ici qui va tomber. On a l'arrivée de l'intégralité de l'équipe des Dream en backup qui vont venir récupérer 3 kills supplémentaires. Les Easy Dream qui malgré les bonnes tentatives de la part de Zerance arrive à trouver à chaque fois des bonnes opportunités à maintenir l'écart au god, à le creuser même. Pourtant ça partait d'une bonne action de la part de toi avec Couronil, d'une bonne idée en tout cas Bigo. Ouais, carton plein une nouvelle fois pour ce Varus qui récupère 2 kills dans l'opération. Et moi j'ai vu la TP de Essentiel, je me suis dit le voici, il arrive enfin.
le Super Saiyan, et au final il n'a pas eu besoin de faire grand chose dans le fight, mais tout de même tu vois simplement cette TP, tu sais que Camilo est dans le coin, donc tu sais que c'est ce cas santé qui arrive, et ce cas santé fait extrêmement peur. Sueur de Malphite qui n'a pas bum grand monde malheureusement, et Malphite est super important dans les fights, ici il n'arrive pas à faire de différence, c'est malheureux pour les Errance, mais 7000 gold d'avance à 13 minutes. C'est quelque peu une correction qui va être proposée par les Easy Dream, et surtout ce Varus en 8-0, ça fait peur. Et malheureusement, en fait, c'est l'ultime de Kuronil qui n'a pas connecté sur Piwak, et le reste de l'équipe, ça se jouait à vraiment pas grand-chose. Je crois qu'il n'avait pas son flash, mais s'il avait pu ramener l'intégralité de l'équipe adverse, ça aurait été totalement différent, que ce soit en termes d'apport de dégâts, que ce soit en termes de contrôle également. Ça aurait pu leur permettre de revenir ici, mais le bon spacing de Piwak fait la différence. Un Piwak, comme tu as dit, 8-0-2, qui part déjà sur son deuxième item, sur un Terminus, qui va lui donner des résistances en plus de ça, et donc le rendre encore plus intombable. Un Varus qui a été pris en réponse à Kalista et qui fonctionne à merveille pour le moment. Très bon counter-pick. Excellent counter-pick de la part de la Décarie polonais pour les Easy Dream. Chronique qui trouve une nouvelle offensive sur Crimson. Crimson qui tente le trade, mais à quoi bon? À quoi bon un kick-out? Mais pour combien de temps Chronique devait tomber cette fois-ci? Excellente partie sur Impérial. Chronique tombera. Est-ce que Camilou va suivre Flash-out qui sera suivi d'un Flash-in? Crimson tout de même avec énormément de caractère. Peut trouver le revenge kill, on vient calmer Chronique, on vient calmer Camilou. Alors oui, cette botlane est extrêmement devant, mais mid jungle, ça reste relativement even. Kuronil reste dans la game, Chronique également. Un Lee Sin sur ce timing de jeu, c'est extrêmement fort. Crimson vient de nous le montrer. Donc on ne se laisse pas faire tout de même pour les Errance. Ah, la mauvaise nouvelle, c'est quand même que les Shodown sont partis dans les mains de Crimson et pas dans celle de Kuronil, hein, qui avec son Azir aurait peut-être pu faire la différence plus tard. On le voit, il est 1700 gold derrière son opposant direct. Gap close en termes de ressources aurait été une bonne chose de son côté. On le voit, il a récupéré sa dent de Nashor, mais il doit se diriger au plus vite vers son deuxième, voire vers son troisième item, afin d'avoir vraiment de l'efficacité en fight. Y a eu les grubs qui ont été joués, mais ni l'une équipe ni l'autre n'a pu en récupérer au moins 5. Un héros de la faille ici qui va être réclamé par les Easy Dream. On a toujours ces 7000 gold d'avance malgré ce fight remporté par les Errants sur la mid lane. On va le poser immédiatement. La thermide est déjà tombée en réalité. Ouais, on va pouvoir aller récupérer les tours en side. Hein. Ça fera l'affaire également. Ça permettra d'ouvrir complètement la carte et de récupérer davantage de vision. On peut voir un peu la vision dans le top side qui a été positionnée de la part des Z-Dream dans la jungle adverse. On le voit, il y a 3 wards, il y a une ping. Ça permet d'avoir un contrôle total de la présence du jungler Errance ici, Crimson, qui dès qu'il va se diriger dans son topside sera vu, ce qui donnera beaucoup d'espace aux Z-Dream pour s'exprimer plus bas sur la carte. Clairement, et au-delà de ça, le héros de la faille vient d'être joué, il reste qu'une seule T1 à récupérer, c'est celle de la top lane. Donc là, la vision va être installée sur ce topside. Attention à Crimson, mais ils vont tenter de trapper, ils ont peut-être raison les Errance, c'est peut-être ça la clé ici, avec un Blitzcrank notamment, avec beaucoup de dégâts, beaucoup de bump, on l'a dit, un CC qui est difficilement counterplayable. Mais justement, il va y avoir un flash in ici sur Piwak, qui a un énorme shutdown sur le dos. Piwak devrait tomber au profit de Kuronil. Camilou, l'ATP, il vient sonner le glas de l'équipe adverse, bien que le Varus soit à terre. Camilou qui vient chercher la revanche. C'est du 2 pour 2. Pour le moment, c'est un 2 pour 2, donc en réalité, c'est une bonne opération. Étant donné qu'on a récupéré un shutdown de 1k gold sur le Varus. Vu l'état de la game, c'était vraiment très bien joué et on va le revoir, j'espère. Mais mécaniquement, c'est très intéressant ce qui a été fait parce qu'en fait, Xersus aggrave et on a eu le rappel de la Kalista qui ramène plus loin l'adversaire. Là, on regarde ici l'ultime de Kalista et du coup, le Varus a été ramené plus loin. C'est une très belle exécution, c'est pas facile parce qu'il y a vraiment un timing. Il faut utiliser l'ultime Kalista avant que le grab de Blitzcrank touche et donc il faut être sûr que ça connecte. Très bonne communication ici de la part de Vespa Xersus, ça fait la différence. On a quand même perdu 2 joueurs, mais comme tu l'as très bien indiqué, la récupération des shutdowns peut faire la différence. On est toujours extrêmement derrière, bien évidemment, du côté des Errance, mais on ne se laisse pas abattre et on tente le tout pour le tout avec cette composition qui, mine de rien, peut toujours revenir à base de quelques petits catchs. Ouais, surtout en teamfight, hein, Ultimate Malphite, Ultimate Kalista qui peut bomb du monde, la partie impériale forcément du côté d'Azir qu'on ne connaît que trop bien. Personnage présent dans tous les championnats une nouvelle fois, Kuronil qui doit reculer, on va flash out Camilou qui continue de mettre du rythme, qui continue de mettre la pression, mais on a un ultimate de la part de Chronique et ça suffira à prendre le kill étant donné que Varus suit avec sa flèche. Il n'a pas le meilleur des stuff hein, pour jouer les flèches à distance et mettre de gros dégâts, mais étant donné que Chronique a entamé le tout, les dégâts étaient suffisants. Vi se retrouve dans une position pas optimale, mais la tour va tomber.
avec les petites bêtes du néant qui vont apparaître également. T2 qui on, va... on a un smite pour Crimson, mais non, c'était un bait depuis le début. On l'amène sur la tour mid lane et ça a été loupé malheureusement. C'est passé pas loin. Ça a été taffé en scrim, ça probablement. C'était pas mal de la part des Easy Dream. Belle inspiration. Ça ne fera pas mouche, mais dans l'idée, on voit que c'est une équipe qui bosse. SORius, tout le coaching staff. Easy Dream tout court, un premier du classement, et on le voit sur la carte. Ça joue très très bien du côté du Phoenix Bleu du Sud. Ah, et on voit qu'il y a la prise de vision surtout qui est très intéressante. Là on la retake hein, du côté de Zerance, mais on a tout le temps beaucoup de wards avancés dans la jungle en face et on a un contrôle qui est tout simplement énorme sur Crimson, mais également sur les opportunités de Xersus. On les voit hein, ces petites wards deep dans la bot side jungle. On a reset du côté de Highway et là on a un petit ping hein, de la part de Chronix sur les loups. On indique assez clairement, ok, je vais aller fermer camp, on veut être connecté avec le support et le jungler, et c'est super important ça. Je peux te dire que même en LFL, même en LEC, on est parfois désynchronisé, et là on essaye de vraiment optimiser un peu les puffing, de communiquer ensemble sur quel est le prochain plan, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et tout simplement on voit Highway, il se dirige vers Chronix. On est parfaitement connecté pour le mid, pour le jungle support de la part des Zerans. Et c'est super important. C'est super important dans son équipe. Et on parlait de toute cette vision deep. Eh bien, jetons un œil au score de vision. Mais on a quasiment le double du score de vision du support adverse pour Highway. 68 face à 41 du côté de Xersus. Donc il a vraiment beaucoup, beaucoup de score de vision. Après, quand toute ton équipe gagne, ça aide, bien évidemment. Il y a des war zombies aussi. Les war zombies, ça peut aider à ça. On les a pas du côté de Xersus et donc ça peut créer ce petit différentiel, mais en tout cas on le voit Highway qui, avec la priorité apportée par Camilo sur le top side, vient chercher une nouvelle ping, vient utiliser les plantes de vision pour mettre dans le noir l'équipe en face qui a tout de même un carapateur, mais malheureusement sur cette map du Baron Nashor, le carapateur n'a que peu d'intérêt puisque tu peux passer autour pour aller attaquer le Baron Nashor. Xersus qui a peut-être un début de grave, ce sera le cas. C'est Highway qui va se faire récupérer. Highway a tout de même son Z pour lui permettre de survivre un petit peu. On va pouvoir disengage avec le Hervarus, notamment excellente flèche qui va renvoyer peut-être Xersus à la maison. On a pris un gros poke, un gros chunk. Il faut récupérer ses Priomides avant d'envisager de jouer ce Baron Nashor. Mais on a Kalista. Attention, on a des petits DPS, très beau air de la part de Chronix et ça va enchaîner. Et là on tente le grab une nouvelle fois, on a réussi à ramener. Qu'est-ce que c'était? C'était Highway malheureusement. Ce n'était pas le Varus, mais le Varus va tout de même tomber avec une très bonne re-engage de la part de Vespa et son ultimate ici. On va continuer. Fin du fight, mais c'est les errances qui s'en sortent plutôt bien visiblement ici. La vaille est tombée, le Varus également. Est-ce qu'on peut jouer ce Baron Nashor? On peut l'engager après au mid, mais ce n'est pas le cas. Mise en scène qui va join son équipe et on sait qu'un cas santé avec tous les adversaires regroupés comme ça, ça peut faire la différence. Il n'y a pas de paquet pour Camilo, mais il est quand même capable également de faire des différences. On est sur timing 2 items. La malignance n'est plus très loin. Bon, la trappe de la part de Xersus qui va tomber immédiatement. Excellente partition impériale de la part du Cournil. Est-ce qu'ils peuvent faire tomber ce cas santé? Il n'y a pas de Liandry, il n'y a pas vraiment d'item anti-tank. Qui est mise en ciel, qui prend les devants. Vespa qui le fera tout de même tomber grâce à sa Kalista. Les Irans, il y a de l'idée, il manque un petit peu de réussite, mais il y a vraiment de l'idée. Et malheureusement, on n'arrive pas à accéder à cet objectif neutre. On n'arrive pas à accéder à un dragon, à Baron Nashor qui peut engager jusqu'au bout leur comeback. Ils jouent bien, mais il manque un petit peu de réussite, il manque un petit peu de précision, Heroes. Ouais, là, on le voit, on va déjà revoir ce premier fight ici. C'était l'engage de la part de Chronix. J'ai l'impression que vraiment, dans cette game, c'est l'équipe qui engage, qui se fait avoir après. On a tellement d'outils défensifs et de réponses après. Et là, on a pu prendre une nouvelle fois des shutdowns. Et là, malgré le fait qu'on cancel le Baron Nashor, on va quand même perdre des kills à nouveau. Xersus qui a trouvé une très belle ouverture ici sur Camilo, qui avec son flash va éviter le Shurima Shuffle de la part de Kuronil, mais malheureusement on va succomber quand même du côté du mid laner Easy Dream. Le Baron Nashor n'est pas récupéré, mais on a tout de même pris beaucoup de gold. On le voit, j'allais dire, on le voit, on est, je m'attendais à avoir un truc beaucoup plus close en termes de gold, mais on est toujours plutôt 7000 gold derrière malgré les bonnes prises de fight de Zerance. C'est dire à quel point il était derrière, mais c'est également à souligner, on arrive à prendre des teamfights malgré le retard en gold. En fait, le fait de réussir à rester à 7000 gold de retard, c'est presque une victoire entre guillemets. Quand t'es à 7000 gold de retard, t'es amené à ce que ce soit plus, t'es trop derrière pour pouvoir tenir. Et ça fait un bon moment maintenant dans la game qu'ils ont 7000 gold de retard. Ça aussi, ça monte, ça descend un petit peu, mais ça aussi, pour les errances, ils arrivent à tenir le coup. Et timing package pour Camilou. On ne peut pas contester de toute façon ce dragon qui sera le troisième pour les Idrim. Donc on va être à pression de soul point. On récupère la vision tôt de ce Baron Nashor ici visiblement, mais toujours pas de Priomid malheureusement pour les errances. Et donc mise en ciel ainsi que Camilo vont remonter sur ce topside. La T1 devrait tomber, il y a le shutdown dessus, donc c'est
Une bonne nouvelle pour les Irans. Ça ne suffit pas ici malheureusement, mais bonne réponse tout de même des Irans qui vont jouer cross map. On sait qu'on ne peut pas contester ce Drake. On va reprendre de la vision autour du Baron Nashor, prendre la T1 sous shutdown. Donc c'est un excellent choix de la part des Irans. Et maintenant c'est très important, c'est de timer ce package ici, c'est 5 minutes hein, après l'utilisation. Et donc là on doit savoir qu'on aura une petite fenêtre pour aller contester le dragon suivant. Tout simplement, on devra le faire rapidement afin de ne pas concéder des lames. On le voit, une équipe Zerans qui, malgré les bonnes fulgurances, clairement n'arrive pas à avancer. On est très dépendant des bons grades de la part de Xersus, mais malheureusement plus de flash disponible pour le support des pirates. On va devoir attendre peut-être d'avoir davantage de summoners, un flash sur le Malphite de 12, un flash sur le Blitzcrank de Xersus, afin de pouvoir vraiment forcer et aller chercher Camillou. Camillou qui complète d'ailleurs sa malfaisance. Camillou, 3 items, Piwek, 3 items ennemis, qui a même récupéré un avant-bras du savant. On a donc Arzonia, on peut éviter l'ulti Malphite. On a des carry côté Zidrim qui font peur. La nouvelle stopwatch dans l'inventaire de Piwek sur son Varus. Il y a peut-être un trap au top. Ce ne sera pas le cas. En tout cas, on va avoir des ping quads. On va avoir la vision qui va être récupérée ici du côté des Izirim. Nouvelle fois, la zombie ward, un Shai, ouais, tu l'as dit, qui fait la différence dans le score de vision, notamment. La Priomi d'une nouvelle fois récupérée par les Izirim. Donc forcément, ils vont pouvoir prendre position dans cette rivière top. Et pourquoi pas... Ouais, mais est-ce que tu as envie de grave avec Cassanté? Est-ce que tu as envie de le grave ce Cassanté? Je n'en suis pas certain. Il a un sort pour éviter les contrôles dans tous les cas. C'est vrai qu'on en a... Pendant le pré-show, on n'a pas de Cassanté. On n'a pas dit qu'il avait un anti-CC hein, qui peut faire énormément de différence contre des Maoka et contre des Blitzcrank. Et là, on le voit, Mizantiel se permet de face-check parce qu'il sait qu'il n'est pas du tout mis en danger par un Blitzcrank. C'est terminé d'aller dérangeante. Et au-delà de Blitzcrank, priorité, qui peut essayer de créer du jeu, on a peut-être besoin d'un gros ulti Malphite également. Mais justement, il y a un ultimate qui va être déclenché de la part de ce Malphite qui va faire bump by way. Ça ne suffit pas, excellent ulti Renata qui va casser le fight en deux. Couronil est isolé, il ne peut pas rejoindre son équipe, donc Izidrim ne fera qu'une bouchée des pirates. Ils tomberont tous un par un. C'est eux qui se font aborder ici, Izidrim avec un chronique notamment sur sa vaille qui Couronil. Font de grandes différences. Couronil qui vient de forcer tout de même le flash de Highway ici, il a failli récupérer le kill, ça aurait été un petit lot de compensation, ça n'aurait pas été énorme bien évidemment, mais ça aurait toujours fait plaisir. Un fight qui n'était pas mauvais, je pense, l'idée de la part de Xersus était plutôt bonne, mais Couronil n'était pas disponible. On le voit, Couronil qui se fait bosser ici, Couronil qui va sûrement tomber malheureusement. Le dodge met la tourelle de Shurima de la part du Millennium Zerans qui va récupérer le kill sur Camillou. Camillou, un petit peu greedy, un peu présomptueux ici. Il a voulu aller le tester, je crois que sur le papier c'était un solo kill pour Couronil. C'était plutôt bien trouvé, il a encore son flash, Camillou n'a plus le sien. Donc c'est extrêmement bien joué de la part de Couronil qui est solide mécaniquement sur ce Azir qui vient trouver le 1v1 avec Camillou, même si comme tu l'as dit, Camillou a été peut-être un petit peu présomptueux dans sa prise d'aggro. Il y avait la tour, il y avait beaucoup de ressources quand même pour ce Azir. Très bon flash une nouvelle fois, mais on n'arrive pas en fait. Quand on grabe une personne, il faut vraiment single target, focus tous le même, le faire tomber très vite et ensuite pouvoir être en supériorité numérique, ce ne sera pas le cas. On voit Couronil qui va être complètement isolé en haut du fight. Et forcément, ça fait la différence, tu peux pas jouer dans ces conditions. Ouais, j'ai même pas vu comment il s'était retrouvé dans cette position. Honnêtement, ça me paraît un petit peu bizarre qu'il soit autant derrière Couronil. Il aurait plutôt dû être avec son équipe. Hein. T'es pas là pour chercher des flanks avec Azir. Tu veux vraiment empêcher l'engage, jouer sur le poke, assurer une priorité mid. En tout cas, la bonne nouvelle pour les Errants, c'est qu'on a un Xersus qui arrive à trouver les opportunités. On parlait d'opportunités, c'est les Easy qui la cherchent sur le top side et qui vont faire tomber 12 immédiatement ici. Son ultimate vient seulement de revenir à l'instant où il est mort, il a perdu son flash. Et on le disait à quel point ces flashs sont importants afin de pouvoir aller chercher l'équipe en face. Lazy Dream qui récupère un kill et un summoner très important pour la suite de la partie. Ouais, un flash Malphite, c'est l'outil dont ils ont besoin pour peut-être retourner cette game. Les Errants, c'est malheureusement on vient flash out alors que la mort était quasiment garantie. Ils ont quand même pas mal de range, il y avait pas mal de choses qui pouvaient les permettre d'aller finir, donc pour moi il aurait fallu accepter la mort. Cela dit, on va être en supériorité numérique maintenant, on joue sur deux lanes, T2 top récupéré, T2 mid également. On va tenter d'aller récupérer une prio bot peut-être pour les Easy Dream. La wave est relativement avancée, le dragon arrive bientôt et je crois qu'on va simplement prendre la vision ainsi que la position dans la rivière bot. Ouais, ben c'est propre, hein. On sait qu'on doit ouvrir la map sur le top side, on ne peut pas vraiment pousser plus loin que les T3, on va juste back, utiliser ses golds et se mettre en position de contester cette âme qui apparaîtra d'ici une quinzaine de secondes. Bigo, âme Chemtech, une âme qui donne de la ténacité, des shields supplémentaires, pas l'âme
pas les Drake individuels les plus intéressants et pas forcément l'âme la plus puissante, bien que sur un cas santé, sur une vaille qui ont beaucoup de longévité dans les fights, ça puisse faire la différence. Mais ça reste quand même un avantage non négligeable afin de disputer les fights. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça avec 11 000 gold d'avance? Je ne pense pas, mais ça reste ce petit truc qui pourra quand même donner un avantage et au cas où faire la différence. Ouais, on veut jouer scolaire, on veut s'assurer la victoire avec cette âme. Pas certain qu'on puisse tenir 5 minutes de plus et retourner un petit peu la game avec un dragon ancestral. Camilou qui se fera avoir ici, très beau dashing de Coronil, très bonne partie sur Impérial. Et les errances qui peuvent récupérer un kill. Camilou qui fait pas sa meilleure game depuis le début de saison. Ouais, là, quelques moments, il se fait catch. Après, bon, là, son équipe est tellement devant que, dans tous les cas, ce n'est pas dramatique. Mais on le voit sur des champions avec moins de mobilité, il peut parfois se faire un petit peu avoir. Je pense surtout qu'il essaye de jouer vraiment à la limite. Il a envie de concrétiser son lead et de trouver des opportunités. On le voit. Cassante Gaming, Cassante appuie sur Z, Cassante annule le champion qui est Blitzcrank. Aiwa, il est deep, hein. Aiwa, il est deep. Est-ce qu'il sait que Chronique est dans le coin? Je n'en suis pas certain. On va pouvoir trouver un kick, très beau Q. On va avoir un Z, mais est-ce que ça va lui permettre de rester debout? J'ai un doute. On trouve une nouvelle fois un très bon catch pour les Irances. On a pu catch Camilo au top safe. On peut catch Aiwa à la midlane qui vient s'avancer peut-être un petit peu trop. Les Irances qui, une nouvelle fois, se redonnent un petit bol d'air, un petit espoir dans la game. On peut récupérer cette T2. Il y a les shutdowns sur les structures. Et attention, pas grave, on a un flash pour les deux Xerxes. Encore en vie. Ok, on a forcé le Z de la part de Mizantier, hein. Le cooldown du Z de Cassante est plus long que celui du Q-spell de Blitzcrank, hein. Donc on pourrait retenter une action, mais malheureusement Camilou est de retour et Camilou met beaucoup de dégâts avec ses roquettes. Trois items ennemis, bientôt le quatrième, et on le voit, une, deux roquettes qui touchent, et c'est un fight qui est désamorcé du côté EasyDream. Ah mais en réalité, il n'y a jamais de fight bien exécuté de la part d'EasyDream. S'il y a un très bon fight avec ce Zonia notamment qui est dans l'inventaire de la part de Pivek, c'est impossible de l'attraper. Il y a l'ulti Renata pour le défendre, il y a Mizantiel qui peut se mettre devant, etc. Je ne vois pas vraiment comment les EasyDream peuvent la perdre cette game en réalité. Ouais, ben c'est... En vrai, c'est ce que je me dis depuis le début de la game, mais au final, on se fait catch, on donne des petits retours dans la game, on arrive à trouver des opportunités du côté de Zerance malgré un retard constant de 7000, 8000 goals hein, depuis maintenant de nombreuses minutes. On a l'âme qui est en faveur des EasyDream, mais comme on l'a dit, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas celle qui va faire le plus la différence. Et on a des Zerance qui avancent tranquillement sur leur itemisation. On est maintenant à 3 items et demi pour Vespa, on a également 3 items et demi du côté de Couronil, on a complété le cœur gelé pour 12, ce qui va être très gênant bien évidemment pour les auto-attaqueurs que sont Varus et même une vaille éventuellement en fight, mais surtout le Varus. Des errances qui sont en train de réduire l'écart au fur et à mesure, et attention, on va avoir un assure d'ici une minute, ça pourrait être un fight décisif pour la game, Bigo. Ouais, faut voir comment les EasyDream réussissent à l'exécuter ou non. Moi je pense que si les EasyDream jouent bien, il n'y a aucun rêve. Maintenant, depuis tout à l'heure, les errances arrivent à les déranger, ils arrivent à trouver des petits catchs de par le Blitzcrank notamment, qui avance face à Mizantiel. Mais cette roquette, hein, cette roquette qui fait énormément de dégâts pour Camilou. Camilou qui a entamé ce quatrième item qui semblerait être le Shadow Flame. On va voir ce qu'il va sélectionner, mais pff, Camilou il pique, hein. Il pique en termes de dégâts ici. Ouais. Surtout face à bah, là, c'est Xerxes qu'il a touché, il lui met 5 niveaux. Il n'y a pas ou peu de MR chez ce Blitzcrank, donc forcément, pas, hein. Ça ne pardonne pas. Il n'y a pas du tout de Magic Resistance, hein. Et là, je pense qu'il va falloir envisager de changer ses bottes de mobilité. Hein. On est à un stade de la game où ça n'a plus tant de valeur que ça. Des bottes de Mercure pourraient éventuellement le mettre bien pour les résistances et pour les CC en fast. Un Xerxes, hein, qui continue de se montrer agressif ici, qui veut gagner de l'espace. On récupère la priorité de lane, hein, du côté de Zerance, le Azir qui fait beaucoup de bien sur ce genre de phase de jeu, et ça va leur permettre de reprendre la vision dans la jungle, de reprendre la vision dans la river également, ces petites pings qui étaient là depuis longtemps qui vont être retirées et éviter ainsi des TP flanks potentiels de la part des EasyDream. Ouais, et il y a le flash chez 12, il y a le flash chez Xerxes, donc c'est un bon timing pour essayer de créer du jeu flash du côté des errances. Mais il y a Camilo qui fait très très mal avec son poke notamment. Il faut tenter un fight all-in, on peut pas se le regarder dans le blanc des yeux, sinon Camilo poke et ça fait la différence. Xerxes ici justement qui trouve un excellent grab sur Aiwa. Chronique qui tente de contre-attaquer, mais ça ne suffit pas. Et là, c'est le Varus qu'on veut regarder. Coronil sur Impérial de la part de Coronil. C'est un point pour le moment, mais les errances qui reviennent à l'attaque. Aiwa qui doit reculer, mise en selle accompagné de Camilo également. C'est toujours passé. Kristen dans la mêlée, Aiwa va tomber et c'est un fight qui devrait être remporté. Attention, mise en les errances, mais Vespa va tomber, mise en ciel et son cas santé, c'est trop.
en mise en tiel qui récupère ici le kill sur Vespa et ça peut peut-être éviter le Baron Nashor. Je ne sais pas sur Baltanzé du côté des Errances, mais non, on est en train de back pour Couronil, à moins qu'il back et qu'il TP immédiatement pour récupérer le Baron Nashor. C'est possible, il a sûrement un item supplémentaire. On va le voir, est-ce qu'il complète un Rabadon éventuellement. Ouais, le Rabadon a été récupéré du côté du midliner des Errances ici, et malgré la mort de Vespa, malgré la bonne capture de la part de Misantiel, ce Baron Nashor devrait tomber dans les mains des Errances, à moins qu'on arrive à faire une, je sais pas, une temporisation pour Camillou, mais non. La priorité de lane est la... et l'objectif principal. Il y a le Elder Dragon qui arrive d'ici 40 secondes. La game n'est pas jouée, mais en tout cas, une chose est sûre, dans 30 secondes, c'est le dernier fight, Bigo. Ah, ce sera le dernier fight, ce sera le dernier fight. Et au moment du dernier dragon, justement, je me disais, mais on va revenir sur ce fight. D'abord, excellente partie sur Impérial de la part de Coronil. Et puis, ouais, qui n'a pas le temps de taper, qui n'a pas le temps de DPS comme il l'aurait souhaité. Excellente contre-attaque. Et mise en ciel, hein. Mise en ciel avec son Gragas qui va réussir à aller kidnapper ce Vespa. Il va le déchirer auto-Q-auto. Et Kalista disparu. On prend la position sur ce dragon ancestral. Ouais, et au moment du dernier trek, je me disais que c'était impossible qu'on aille jusqu'au prochain vu l'avance qui a été proposée. Ouais, mais on se retrouve finalement à ce dragon ancestral. On a évité que la part de la Renata. On n'a pas du tout de vision hein. Dans cette river. Malheureusement, la prise du Baron Nashor fait qu'on n'avait pas du tout le contrôle et le jouet ne va pas être évident. On l'engage immédiatement de la part des Idrim. On est un peu isolé du côté de Camillou. Hein. Attention, Camillou qui a son package d'ailleurs. Mais est-ce qu'on pourrait pas engage le temps qu'il est éloigné? On perd un peu de temps pour les errances. Camillou joue à Join et c'est peut-être un petit peu tard, mais Camillou va peut-être pouvoir déclencher ce package, c'est peut-être un petit peu tard. Et Piwek, c'est parce qu'il a le temps de taper. Et quand Piwek a le temps de taper, forcément, eh bien, ça fait la différence. Et on ping la wave. Côté des Easy Dream, on ping la wave bot. On a conscience que Crimson veut aller récupérer Salomide pour faire perdre du temps. Mais est-ce qu'on peut terminer? Il y a 50 secondes de death timer sur Couronil ici. Ça me semble pas infaisable, ceci dit. Pas de Baron Nashor. Est-ce qu'on peut essayer d'aller défendre pour Crimson? On pourrait peut-être se suicider pour la vague. Est-ce que la game est possible à terminer? En tout cas, on doit back hein, du côté du jungler de Zerance. Ouais, il va pas prendre la wave mid, il doit reset absolument. Parce que avec les dégâts AP qu'on a chez Camillou notamment, la tour va tomber très très vite. Comment est-ce que Crimson peut défendre ceci? 13 secondes sur Vespa, 5 secondes sur Xerxes. Il y a un univers, compliqué, il y a un très petit univers, mais cet univers existe. Le Blitzcrank est de retour, il peut silence tout le monde peut-être. Faut taper la wave. On a un début de bump. Ouais, mais il y a l'ancestral, c'est pas possible. Le souffle du dragon qui fera tomber en premier le Crimson. Excellent ulti de la part de 12, mais est-ce que ça va suffire? Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts malheureusement ici. Si on avait eu Couronil, ça aurait pu être une fin de game. Mais ici, on temporise, mine de rien, le dragon ancestral qui ne permettra pas de terminer la game. Ou en tout cas, pas encore. On a l'arrivée de Highway qui revient tranquillement. Mais non, on back du côté des Idrim. On le voit ici, des errances un peu attentistes, Bigo. On avait l'information que Camillou était éloigné. Est-ce qu'on n'aurait pas pu forcer un engage du côté de 12? On aurait dû même, je dirais, pour le Malphite avec les outils dont... on dispose son perso, il y avait peut-être un petit quelque chose à faire. Camillou était un petit peu hors tempo, il y avait une faille à exploiter je pense en termes de timing. On va reset pour les Easy Dream, un gage de Sterak disponible chez cette vaille, Void Staff chez ce Corki qui va faire énormément de dégâts. Rookie ainsi que Witsend, GA même Witsend qui était là depuis un moment sur... On a GA Zonia du côté de Piwek. Ouais. On va être vraiment intombable hein, du côté de la décarie Easy Dream. De toute façon, on l'a vu dans les fights. À partir du moment où il peut auto-attaque, c'est terminé. Hein. Il y a un fight où il a pas pu taper et forcément les errants ont pu faire la différence. Mais au fight à l'Elder, même si Camillou n'était pas là, il suffit que Piwek puisse taper et c'est terminé normalement. Ouais, après là, il va falloir qu'on arrive à trouver des bons catchs. Je pense que le catch doit être fait sur Camillou parce qu'on a beaucoup de choses hein, pour survivre du côté de Piwek. Et dans un second temps, on pourra se retourner hein, vers la décarie des Easy Dream. Là ici on va avoir besoin d'un excellent grab de la part de Xerxes, un grab qui pourra peut-être faire la différence. On le voit depuis tout à l'heure, il arrive à en trouver, c'est à chaque fois sur la Renata de Highway, mais on doit réussir à sécuriser un carry ici. Malheureusement le grab ne touche pas 12 qui prend beaucoup de dégâts, qui est forcé à l'ult out et qui va déjà devoir ban. Mais non, on avait encore le dragon ancestral, ouais. J'avais pas vu, il est tombé. Il est plus là pour longtemps, mais il était encore là effectivement ce dragon. Il vient tout juste de fade, là, quelques secondes après la mort de 12. On peut défendre, je pense. On a Crimson avec son Lee Sin qui a un début de flank, mais je ne suis pas certain que ça va suffire. Camillou qui peut trouver le flash out, justement. Crimson qui trouve le kick, mais c'est bien trop tard. Renata qui couvre le tout. Couronil qui réussit une nouvelle fois. Et on est en vie pour Crimson. La fin de cette game, mais pour combien de temps? Comment est-ce qu'on défend vraiment
C'est pas encore terminé, mais comment ils vont réussir à défendre? On a Azir, on peut défendre avec Azir. Il retourne à la base, il récupère tous ses points de vie ici. C'est Azir qui a perdu, ceci dit, sa stopwatch, ou plutôt son protège-bras, juste avant. L'item a changé, bien évidemment. On se dirige vers son Zhonya pour le mid-laner de Zerance, mais on est 10 000 gold derrière, certes. Mais on arrive à un stade de la partie où la différence est tellement mineure qu'elle ne se remarquera plus dans les fights. On va être purement sur de l'expression de skill. Ceci dit, à ce petit jeu, je me dirais quand même qu'un Corki, qu'un Varus ont l'avantage sur une Kalista qui commence à s'essouffler. Mais on le voit depuis tout à l'heure, on trouve des bonnes opportunités. On a un Kouronil qui fait tellement de dégâts. On a un Azir qui est en place dans cette game. Si cette game venait à être remportée, ça va être un débat très serré entre Kouronil et Xerxus qui font vraiment tenir cette game, selon moi du moins. Kouronil très créatif, qui trouve toujours les bons flancs, les bonnes positions impériales. Xerxus qui initie tous les moves de comeback, toujours le bon grab, souvent sur cette Renata notamment, qui la ramène au milieu de la mêlée, qui la force à utiliser son Z sur elle-même et pas sur un carry, lui permettre de pouvoir taper encore un peu plus, faire durer le fight. Donc Xerxus et Kouronil qui permettent vraiment aux Zerans de tenir très fortement dans cette game. On va se diriger sur le top side. L'inhibiteur mid est tombé, l'inhibiteur bot est tombé, forcément c'est l'inhibiteur top qui va être plébiscité par l'équipe des Easy Dream. Tout le monde se rapproche de son full stuff. Je me permets de souligner ce que tu disais, parce que je pense que c'est le facteur X pour les fights à venir. C'est que oui, il y a 10 000 gold d'écart, mais ça a plus tant d'impact que ça. Tout le monde est blindé d'items, tout le monde est blindé de statistiques. Et maintenant, c'est toi et tes mains qui doivent décider de l'issue de cette partie. Exactement, et en parlant de mains, on a un Baron Nashor qui arrive d'ici une quinzaine de secondes. Bigot, le Baron Nashor qui sera assez difficile à défendre pour les errants s'il venait à tomber dans les mains des Idrim, puisqu'on a déjà perdu deux inhibiteurs de leur côté. On a un Kouronil qui, assez logiquement, bonne macro, va se diriger sur le bot side, récupérer les vagues de sbires. Il a une téléportation, il pourra rejoindre, mais les Easy Dream ont conscience de leur position forte ici, vont directement se diriger sur le baron, aller le récupérer. Et j'ai l'impression qu'on n'essaye même pas de le contester du côté des errances. C'est trop tard là. On court en mid. Mais c'est bien ce qu'ils font, c'est très bien, parce que en courant en mid comme ça, si on peut récupérer la vague, on évitera aux Easy Dream de pouvoir jouer avec, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. Cette vague n'est pas récupérée. Double téléportation. La TP de Kouronil ou de Malphite, plutôt celle de Malphite, mais elle était un petit peu présomptueuse. Oh, le grab de Blitzcrank qui va être manqué. Crimson qui est également, ils ont les mecs, c'est l'entulti de la part de Malphite, mais ça ne Vespa pas, et HP ne tombe pas. Vespa qui réussit à trouver un début Camille de crack, on va tomber. Mais il y a toujours Kouronil ici, il y a toujours Kouronil, la base Kouronil qui tente, mais ça ne suffit pas. Kouronil sur la fin de son Zhonya, je l'ai dit, hein, mais quand Piwek peut taper, il n'y a aucun espoir. Quadra kill pour Piwek, Easy Dream qui vont se diriger tout droit vers le Nexus. C'était bien tenté. C'était bien tenté pour les errances, mais il y a trop d'écart de stuff, de niveau, malheureusement. Ouais, malheureusement, la Kalista a réussi à trouver l'assassinat sur Camilou, mais ça n'a pas été suffisant. On a perdu sur le reste du fight, hein, du côté des errances, une game très disputée, malgré l'avance qui avait été construite du côté des Idrim, une avance qui s'élève à 13 000 gold en fin de game. Mais malgré le retard, j'ai presque l'impression que tout du long, on était à égalité. On arrivait à trouver des opportunités pour les errances, bien qu'ils soient autant derrière. Et je pense que c'est, bah, d'une part, annonciateur de bonnes choses pour la suite de leur côté, mais même un peu inquiétant pour des Idrim qui, bien qu'ils gagnent des games, font quand même pas mal de petites erreurs comme ça qu'ils les mettent derrière. En termes de teamfight, c'est très solide les errances. Et quelle preuve de caractère et de résilience, ils ont très très bien tenu cette game. Mais on va pouvoir rediscuter de tout ça à l'analyse desk. Ce sera dans une petite pause sur OTP.